tout le monde, je viens de sortir sur une nouvelle vidéo d'une horloge cette fois, donc c'est pas du Yokai Watch, pas Star Wars, non, 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 c'est pas ça. Et c'était pour vous dire qu'un jour, je sais pas du tout quand, je crois que ce sera dans longtemps, j'en sais rien, ça dépendra de mon humeur, mais on fera sans doute la construction d'une maquette d'un X-Wing de Star Wars, sans doute. Ouais, c'est ça. Et voilà, donc c'est pas notre sujet. Donc en fait, c'est pourquoi cette horloge? Déjà, elle est jaune, chiffre romain. Et en fait, je tenais à partager ça avec vous parce que c'est l'horloge que j'ai récupérée de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents qui sont décédés. Voilà, malheureusement. Mettez un pouce bleu pour se souvenir. Alors, donc voilà. Déjà, il y a trois petits pics ici qui sont très jolis. Et il y a là, comme vous voyez, là, il y a des petites billes qui tournent. C'est très très joli, je trouve. Elle est toute dorée, comme ça. Donc, on va enlever le globe. La petite globe. Je le manie doucement. Vous entendez bien le tic-tac? Voilà. C'est magnifique. Avec les jolies petites aiguilles. Chiffre romain. Ah, regardez, là, je vais y venir. On se trouve tout de suite. Tout de suite. Voilà, donc je voulais venir là. Et en fait, regardez cette horloge. Regardez, le chiffre, c'est pas le même. Là, c'est. Regardez, il y a quatre bâtons. Et là, il y a ça, regardez. Pas le même chiffre, regardez, vous voyez là sur l'horloge là que vous voyez là-bas sur le gros coucou, c'était quatre bâtons, mais là regardez, c'est pas pareil, c'est une erreur en fonction de l'époque. Voilà, donc on va la montrer à côté. Y a ça, vous occupez pas de ça. Ça, montrer au-dessus. Maintenant, on va la tourner. Attendez, je vais appuyer sur la fonction. Je vous la montrerai. Là, regardez. Quand on appuie là. Ah! Voilà, donc la fonction, c'est ça. Et quand on pousse là. Là, ça bloque le balancier, tout simplement. Regardez, je suis ça. Ça bouge plus. Voilà, donc là. Quand on tourne. Ici, je vais vous montrer, j'ai une montre de toute façon. Quand on tourne ici, regardez, je tourne. Voilà. Et aussi, on peut tout simplement tourner les aiguilles comme ça. Mais c'est quand même plus prudent, sans les abîmer, de faire ça. Voilà, donc c'est un peu plus facile. Alors la marque, c'est simplement Kundo. Ah, Kundo. Là, donc regardez, il y a des jolis petits motifs ici. Elle est vraiment magnifique, magnifique. Voilà, donc on va remettre l'horloge à l'heure. Et mon téléphone m'a dit que il était 20. 15. 20. Voilà. On va désactiver la fonction. Voilà. On a désactivé la fonction. Voilà. Et donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et surtout, je le redis, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour mes arrière-grands-parents. Ils seraient franchement très contents, même s'ils ne sont plus là. Donc, s'il vous plaît, mettez des pouces bleus ou alors abonnez-vous. Salut tout le monde!